L'économie à l'époque est basée sur l'esclavage. Haïti représente un mauvais exemple. Haïti vit dans l'isolement, sous embargo et total, complètement étouffé. L'Empire français continue de menacer le jeune État haïtien. Les Haïtiens acceptent ce qu'ils appellent une reconnaissance de dette pour dédommager les anciens colons. Toutes les taxes étaient prélevées sur les paysans. Donc comment, dans ce cas-là, pouvoir développer un pays? En 1915, il va y avoir l'occupation américaine et l'un des premiers gestes de l'armée d'occupation américaine, ça a été d'aller dans les banques et de prendre la réserve d'or du pays et de s'en aller avec aux États-Unis. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais entendu parler. Au lendemain de l'indépendance, les affranchis, les mulâtres en particulier, et certains généraux, se sont appropriés la terre.
Et jusqu'à et aujourd'hui, la terre a appartenu à une petite minorité. Et donc du coup, la population privée d'un élément moteur qui aurait pu leur permettre de développer ce pays, ce sont les paysans qui eux-mêmes investissaient et qui travaillaient la terre et qui devaient donner la moitié de la récolte à ceux qui étaient restés à Port-au-Prince. Donc, on est très mal parti au lendemain de l'indépendance. Et c'est une société qui a été fondée sur l'injustice. C'est sur l'injustice, sur une mauvaise répartition des richesses et qui fait qu'on a une élite hein, de jouisseurs qui sont restés à Port-au-Prince et puis qu'on continue à exploiter les gens de la province. Et ces élites-là n'ont jamais vraiment investi à long terme. Il n'y a jamais eu une vraie politique économique sur le long terme pour dire que tiens, voilà, on va essayer de développer le pays. Voilà comme d'où on est parti et où on est arrivé. Et le tremblement de terre est venu donner un coup de massue à quelque chose qui était déjà assez fragile et assez précaire, quoi. Enero de 2010, 4:55 de la tarde, estábamos comprando el pan para desayunar el día siguiente. Nos bajamos en el supermercado y estando dentro comenzó a temblar. Solo abrí los pies para mantener el plano de sustentación, pero hubo un momento que se arreció y me tumba al suelo. Traté de incorporarme varias veces. No pude, solamente miré al techo y pensé, bueno, se acabó. Et j'ai commencé à entendre un bruit. Et quand j'ai vu les arbres commencer à bouger, les murs à tomber, j'ai sauté une barrière, donc je suis tombé, je me suis blessé. Et ensuite, tous les gens qui avaient intégré la maison, les appeler, faire sortir. Tratamos de salir, de pararnos, pero era de tal magnitud aquello que no nos permitía caminar. Salimos ayudándonos unos a los otros y cuando salimos a la calle ya le digo, aquello era increíble, no hay forma de describirlo, la gente corría de un lado a otro sin desorientada, la destrucción era enorme, los edificios, los tendidos eléctricos en la calle, los postes, las calles bloqueadas. Cuando pensé que se caía, nos caía encima, se detuvo el temblor y estaban los cubanos allí. Las mujeres arrodilladas, abrazadas, llorando, algunos corriendo. Tout de suite après, il y a eu une espèce de silence énorme, tout aussi fort, je dirais, tout aussi que le bruit. Et puis après cette minute de silence, c'est de poussière qu'on ne voyait plus le ciel. Et le ciel était couvert par la poussière des maisons qui s'étaient écroulées. Donc on commençait à entendre le bruit des gens qui hurlaient, qui dans tous les sens, qui pleuraient. Según nos fuimos acercando al centro de la ciudad, nos percatamos de la situación de desastre que había. Cuando vimos el palacio presidencial, los ministerios, todo aquello derrumbado, destruido. Nunca pensamos en ningún momento que en el anexo, aquella construcción que estaba en el centro de todo aquello, fuera a estar en pie. Por suerte, cuando llegamos allí, encontramos que no había sucedido ninguna cosa de envergadura y que ya incluso los compañeros que estaban allí habían comenzado ya a atender los primeros heridos que habían llegado de allí de los alrededores. Y al poco rato aquello ya era increíble, la cantidad de personal que entraba, porque entonces el hospital general que estaba enfrente estaba cerrado. Todo el mundo pues, se aterrorizó, todo el mundo salió huyendo. No había ningún hospital abierto. Así estuvimos trabajando ininterrumpidamente casi 24 horas. El agotamiento ya era importante. Estábamos fatigados. Pero era tanta la necesidad que nadie paraba, nadie se quejaba. A las 11 de la noche, aquellos eran ya cientos y cientos de personas los que entraban. Entraban carros y nos dejaban allí. Nos ponían en el suelo la cantidad de heridos, cientos de heridos. Y las personas se le sujetaban a uno por las piernas, pidiendo ayuda y demás. Y cada vez eran más y más y más pacientes que llegaban. No había descanso prácticamente. Y nos asomábamos a la puerta del salón pensando que aquello cada vez eran más y más y más.
llega refuerzo de Cuba. Ya cuando llega, habíamos montado un hospital de campaña en el área del anexo donde radica la casa y se habían comenzado a operar. Al día siguiente, la cantidad de pacientes era enorme en el anexo y nos dan la encomienda de abrir el Hospital de La Paz, uno de los hospitales más importantes de Puerto Príncipe, un hospital que cuando llegamos el día 13 en hora de la noche, son las imágenes que trato de no recordar. Más de 700 personas, 800 personas, por todos los alrededores, en el piso, buscando atención médica, y los médicos haitianos y enfermeras habían corrido a sus casas a ver su familia, a ver qué había pasado con lo suyo. Comenzamos a laborar inmediatamente en los salones y al día siguiente en la mañana se nos une una brigada de médicos, paramédicos españoles que habían logrado llegar al país por Dominicana porque el aeropuerto había sido tomado por militares norteamericanos y no le permitían la entrada de vuelos al país. Casi inmediatamente continúan llegando y llegan chilenos, llegan colombianos, llegan mexicanos y hacemos un team latinoamericano en La Paz. Existió una supeditación espontánea de todos esos médicos y de todo ese personal a la Brigada Médica Cubana por el respeto que tenía la Brigada Médica Cubana en Haití. De hecho, era el único hospital de Puerto Príncipe que no necesitó de las fuerzas militares de la ONU, de la MINUSTAH, para desarrollar su labor. Cuando comenzaba a caer la noche, el resto del personal era acompañado por militares de la MINUSTAH y regresaban. Quedaban los cubanos laborando 24 horas. Y hacíamos convenio con otras ONG, con otros hospitales que laboraban en los alrededores de Puerto Príncipe. Como ser humano, como persona, son experiencias que nunca quisiera volver a vivir ni que nadie las viviera. Son sentimientos ambivalentes. Son imágenes que trato de olvidar, que trato de no recordar, que trato de no comentar. C'est que j'ai découvert un double élan de solidarité, c'est-à-dire une solidarité entre Haïtiens d'abord, et ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui, à main nue, ont fouillé, creusé et pour essayer de sauver certaines personnes, des gens qui ont accueilli d'autres personnes chez eux, ou bien qui, le peu qu'ils avaient à manger, ils ont partagé avec d'autres. Ensuite, il y a eu la solidarité internationale. Et quand je parle de solidarité internationale, je ne parle pas seulement des grosses ONG qui sont venues, je parle aussi des gens, des petites gens, hein, dans tous les pays du monde, et qui ont mis la main à la poche, qui ont donné ce qu'ils pouvaient. Et ça, pour moi, ce qui m'a ému, c'est ce geste-là, c'est ça qui m'a le plus touché. Ensuite, il y a la réaction des États. Ils ont fait un certain nombre de choses, ils ont envoyé des gens, etc. Mais certaines réactions n'étaient pas celles auxquelles on s'attendait. C'est-à-dire que les Américains qui ont envoyé une vingtaine de milliers de soldats, on n'en avait pas besoin. Et j'ai vu des scènes ridicules pratiquement, c'est-à-dire le palais présidentiel qui était à moitié écroulé, il n'y avait personne à l'intérieur, et des soldats américains sautaient dans la cour du palais comme des Rambo avec des énormes armes à la main. Bon, c'était complètement ridicule. Ensuite, on a parlé d'insécurité. Moi, j'étais là dans le pays, je n'ai pas vu autant de scènes de pillage que ceux qu'on nous montrait à la télévision. Moi, j'ai plutôt remarqué, le premier jour, des gens complètement abasourdis et hébétés, qui ne savaient pas trop comment réagir. Ensuite, il y a eu cette solidarité. Et puis, bon, par la suite, il y a peut-être eu quelques scènes de pillage, mais pas ce qu'on nous a montré là. Et jusqu'à présent, par rapport aux soldats de l'ONU, je ne pense pas que ce soit utile, vraiment. Je crois que le pays a besoin d'autre chose. Moi, je crois
que tout ça fait partie d'un gros business. C'est le business à la fois comment dire, de la coopération internationale, et le business aussi de l'humanitaire. Donc il faudrait que les Haïtiens puissent avoir leur mot à dire. Si tête monde moins calé, si m'apprendre pour m'oublier. Si manger nan fatra, si m'prendre yon poudra. Si tine glonge koui, douvan bi woloni. Si la vin sans avni, si Haïti. C'est parce qu'on détruite ou pète blatte tel. C'est parce qu'on exploite ou rêve de granger. Ou son papa l'enfer, on m'a la police fait. À l'os des siècles, un siècle, j'ai 20 vins pis à crack. C'est parce qu'on détruite ou pète blatte tel. C'est parce qu'on exploite ou rêve de granger. Ou son papa. Actuellement, la grande priorité demeure encore le choléra. La lutte contre les maladies diarrhéiques, je dirais que c'est la santé environnementale, la santé humaine et environnementale, avec en priorité le grand problème de l'approvisionnement en eau potable, en eau de qualité, qui est, à mon avis, le problème prioritaire. Les problèmes prioritaires de santé sont des problèmes d'hygiène, des problèmes environnementaux, des problèmes donc d'hygiène de base. Sinon, évidemment, il y a quelque chose qui est un énorme problème, c'est le fait que nous avons une population qui est très très peu éduquée. L'éducation de base reste un handicap pour permettre de transmettre les connaissances. Il y a un énorme problème de perte de la valeur de la vie elle-même. Parce qu'on voit des accidents de circulation, il y a parfois 30 morts dans un accident. Ça n'ébranle personne. Et je crois qu'une nouvelle politique de santé, une nouvelle politique générale même, devrait partir de cela, de la revalorisation et la revalorisation de la vie elle-même. El problema, señor, sigue siendo sin parar, amor. El problema no es despeñarse en avis. Ya me tengo encontrado con el médico cubano. C'était sur place de Saline dans l'autre bord. Mais yo te vinn ki yon ti problème, yo pat konn parle kreol très bien. Konnen la di m konn sa, est-ce que m'a ka bede yo pou chaque jour sorti ensemble avec pou m ka bal. Ayisyen yo aide pou m ka tradi pou yo. Bon konnen la te wè, se ide a bede pe. M di fò et tout doit me pour m'aider yo. Yo dit me que ça me dans remé apprendre étudier. Me dit comme ça me dans remé à l'apprendre étudier médecin. Mais yo dit me comme ça gagne un petit problème. Faut moi t'ak fini l'école moi avant qu'on y a là pas en pas d'opportunité ensemble avec moi. Pour t'ka fini avec l'école moi. Qu'on y a là t'ai gagne un paquet cubain t'es là. Qu'on y a là yo t'ai dit me comme ça bon pas gagne problème. Y'a fait en tête ensemble y'a fait cotisation. J'ai acheté livre pour moi, j'ai acheté uniforme, j'ai acheté tout bail pour moi net. On y a la vienne petit l'école là pour moi. Moi aidé yo, la fait manger en dedans, moi pas dans cuisine là, m'aider yo aidé me tout et yo aidé m'en pile en pile. Pour l'été gain tout tremblement de terre. Je soigner tout le monde qui était malade et moi pas jamais oublié yo. Ça pour ça yo fait pour moi, yo toujours dans kem. Todas las actividades en las cuales ha trabajado la Brigada Médica Cubana en Haití ha tenido la aprobación del gobierno haitiano y de su Ministerio de Salud. Sería imposible lograr un objetivo si no está en función de responder a la necesidad que tenga el pueblo y en los distintos lugares de su geografía. Hasta que ocurrió el terremoto, se encontraban en ese momento en Haití un total de 332 cooperantes de la Brigada Médica Cubana, haciendo un trabajo significativo, sobre todo en el programa
integral de salud. Al ocurrir el terremoto, nuestro país tomó la decisión de fortalecer la presencia médica cubana. Se comienzan a desarrollar toda una serie de cooperaciones tripartitas en las que cabría de destacar una que comenzó en el año 2007, que fue la tripartita Venezuela-Cuba-Haití, que desarrolla un sistema de salud amplio en los 10 departamentos del país y se fortalece con la creación de 30 hospitales comunitarios de referencia. También debemos señalar la cooperación con Noruega, que ha sido, sin embargo, muy importante. El gobierno de Noruega ha logrado también estudiar otras posibilidades de cooperación en materia tripartita con el gobierno de nuestro país. Estoy extremadamente impresionado con lo que he visto, además muy orgulloso por la cooperación entre Cuba y Noruega en este trabajo. El financiamiento viene de Noruega, pero son los médicos cubanos quienes hacen el mayor esfuerzo. Creo que lo que es excepcional de los cubanos es que no están en lujosos hoteles en la capital, sino que van al terreno a asistir a las personas en el campo donde están viviendo. Creamos 50 grupos de pesquisa que lo integraban como promedio 5 personas. Un haitiano, generalmente un médico cubano haitiano graduado en Cuba. Otro médico cubano, 2 enfermeros. Esos grupos de pesquisa se hicieron mochila, un módulo de habituallamiento para tener una subsistencia de 3 días, en caso que fuera necesario. Ya llegamos a los 2 millones de población pesquisada y hemos diagnosticado más de 5.000 casos en el terreno de cólera. ¿Todo el mundo habla atrás? Claro, con la gente. 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 Acá se queda conmigo y tiene que tener cinturón. No cone bien, mala di cólera poco acampe. No que en Pirmun que comencé a leer hospital estera cólera tú, onco. No beso con tu bagay que no hace pu evite. Laveme a sabón, a van manje, le no soti su letrín, pu fe tu ale. No a lave bien fe y a leguin, a van manje. No beso ese bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo no vas a hacer? ¿Qué opinas? Me dice, ¿cómo tú no vas a saberle? O de mi mate si vale la vez. Pourquoi tu me dis que ça aussi, mon compte? Retire nous là! Ah, on vient machine, non, mais tu m'en as pas à rentrer là. On va casser pied, mon avec tout. Ok. Ah, c'est ça. C'est Eso es una cosa muy novedosa, porque van a buscar allá donde están los enfermos, en lugares inclusive que no se hubieran podido detectar, porque allí no hay quien los pueda detectar en esos lugares. Llegamos en junio del 2008 a Haití, como parte de, específicamente de la misión Milagro, que se dedica a las operaciones oftalmológicas a evitar la ceguera prevenible. Había días que se operaban más de 40 casos. Se desplegó la misión Milagro con una brigada fija en Puerto Príncipe y 2 brigadas móviles que se iban desplazando por los diferentes departamentos, tratando de ayudar y acercar los servicios mayor a la población más humilde y más pobre. La brigada médica cubana
ha estado en este tiempo estableciendo centros diagnósticos integrales en cada uno de los departamentos de la geografía haitiana. Los médicos cubanos, y desde que surgió la cooperación de trabajar en los lugares más alejados de la capital, en los lugares de más difícil acceso. El problema, señor, sigue siendo sin parar. ¿Cómo es que llegó a Cuba para estudiar? Bueno, en 99 Fidel visitó a Nueva York y visitó con el Congreso Negro, que habló de las necesidades en Mississippi y otros lugares donde no tenía acceso a medicina. Y Fidel dice, bueno, si tiene estudiantes, mándelos para acá, nosotros nos entrenamos. ¿Y eso no causa problemas con el gobierno? Porque ustedes normalmente no pueden ir a Cuba. Bueno, sí. En 2004, el Bush hizo un anuncio a nosotros, una carta escrita específica para nosotros. Si nosotros no regresamos antes de 31 de julio, íbamos a nuestra llegada tarde, íbamos a darnos presos por 5 años y $50,000 en multa. La mitad de la brigada de parte americano se fue por miedo. Yo me quedé ahí, decir, bueno, él va a terminar en 2008 y yo debo estar terminado ya, entonces ya vamos. Si me quieren, me buscan. No es un crimen estudiar medicina, ¿no? Nada más el bloqueo y el contra nuestra propia constitución y nuestro derecho a ir a Cuba. Y realmente los pueblos, en todo pueblo, hace falta más roce. Por eso yo creo que ese proyecto, el AM de Fidel, era el más genio, porque llevó todos nosotros, Paraguay, Uruguay, Brasil, África, sureste, Asia, americanos, realmente intercambiando y trabajando juntos. Por una sola meta, y eso es todo para mí. Hoy tenemos más de 8.594 graduados médicos de 58 países. Esta escuela ha formado a 629 médicos haitianos y hoy tiene 403 estudiantes que están aquí en nuestras aulas. La medicina que enseñan allá es muy diferente a la que enseñan acá. Acá es un contacto extremadamente grande con las personas, un trato más humanista con las personas. Siempre fue mi ansiedad de ser médico. Y eso nació a través de mi mamá, que no terminó su carrera por obvias razones y por las condiciones en las que, en la comunidad en la que yo vivo, es muy bajo. O sea, bajo y pocos recursos. A mí me gusta muchísimo el sistema de aquí, de veras. Yo me siento lleno aquí. Aquí desde el primer año, segundo año, ya estás interactuando con los pacientes. Y eso te abre un panorama total. O sea, yo es lo que más ansío, ayudar a los que realmente lo necesitan. Porque hay gente que no tiene ni un peso así para, oye, ni para un medicamento. Qui a la dérive parce que quantité analphabète que nous avons évolué à 85% grâce avec un programme Oui moins capable, intensité a commencé à baisser parce que les nous évaluons nous avons plus passé 1,5 million de monde capable alphabétisé pour le moment. C'est pas seulement Port-au-Prince, mais c'est dans 10 départements paysans que nous avons alphabétisé et nous.
battre un gros bravo pour trois pays saillants, qui c'est Cuba, Haïti, Venezuela encore. Nous demandons et nous sollicitons pour continuer le programme pour nous, parce que c'est un programme qui est riche en pile et qui a aidé la population haïtienne pour relever tête en dignité. Nous prenons bonne information, ça qui pour aider nous et pour venir aider la famille nous tout. Parce que il y a pile le gouvernement qui est passé dans tant longtemps, il n'y a pas de chambre à arriver à faire ça. Il y a ce besoin et cette envie de s'exprimer, d'exprimer aussi souvent une situation sociale qui est désastreuse. C'est-à-dire que de l'exprimer de deux façons, ou bien par la revendication, ou bien aussi par une forme de construction d'un pays idéal. Et puis il y a un deuxième élément, c'est le problème économique. Il y a beaucoup de chômage en Haïti. Comme il n'y a rien à faire, ben, il faut bien qu'on trouve quelque chose. Et comme il n'y a rien à faire depuis très longtemps, donc ça finit par faire partie de l'identité du peuple haïtien. Et puis, les gens ont aussi pris l'habitude d'être autonomes. On crée son petit travail. On crée aussi son petit commerce. Et quand on va à Port-au-Prince aujourd'hui, on a l'impression que c'est un grand marché à ciel ouvert. Après des ans, on s'en réglé. Nèg vle fèl konnen soleil, c'est bon Dieu. Mais diable a vini pa balè. La Bible son bagay ki sakre. Yon patay ki pa bien regle. Yo pran tè, yo ban Bible an aksepte. Tande. Fem ti on profil an travay, chef met yo, lankozman ideologik yo, chef fem. Nou an lè, honètman fok se nou panse pou la mizè. Au mwen yon bagay va chanje, nou ministre ap se vre netidye pou sa ton ekraze mkoz nasyonal yo, fon bagay ak sa. Literati. Je pense que le rôle de l'État, au départ, est justement celui de définir une politique. Et deuxièmement, à partir de cette politique, de définir des normes, ce que l'État effectivement a fait, bien que l'État n'ait pas toujours la capacité de faire respecter ces normes-là. C'est vrai qu'on a besoin des ONG, je crois que c'est surtout le rôle de l'État qu'il faut renforcer. Mais il faut noter aussi que la grande diversité de ce qu'on appelle des ONG ici, parce qu'il y en a qui sont simplement des organisations d'obédience religieuse, ou même parfois de sectes, et puis qui viennent faire souvent un peu de prosélytisme. Alors, bon, d'autres coopérations, puisqu'on parle de coopération, elles sont très très larges. Il y a des coopérations au niveau bilatéral. Si on parle de coopération, par exemple, entre l'État haïtien et la coopération cubaine, c'est une coopération qui est un petit peu, c'est vraiment différente de ce qu'on a vu, de par le fait même que les Cubains sont présents et très proches et des communautés, tout en travaillant en même temps de manière très proche aussi avec le secteur étatique. Si jodi m'pran bato pou mneye koun krapo nan mitan vag lan mè pou m'kabre la mizè. Si ti moun pa grandi, si pa mèm ret peyi, si tout bagay kouchi, même si ou pas j'en saisis,
Si tèt moun mwen kale, si ma bran pou mbliye. Si manje nan fakasye. Je crois qu'il y a très peu de gens dans la population haïtienne à savoir et surtout à comprendre ce que fait la CIRH, la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. On entend parler de beaucoup d'argent, de projets qui ont été approuvés, mais je crois que si on demande aux gens de la population ce qui se fait et qu'est-ce qu'ils voient, il n'y a rien de visible. Haïti est devenu une espèce de gros marché où tout le monde veut venir faire son marché dans les projets de la reconstruction du pays. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, il ne faut pas jeter, comment dire, la pierre et aux autres seulement. Je crois que ça ne s'est pas fait, ou ce qui se fait actuellement se fait, c'est parce que quelque part, les Haïtiens ont fait preuve pendant des années de leur incapacité à gérer leur propre pays. Donc, c'est-à-dire éviter aussi de tomber dans une forme de victimisation qui dirait que c'est toujours la faute des autres. Je crois qu'il y a des ONG qui font un travail utile, mais cette utilité doit être circonscrite dans le temps. C'est-à-dire s'il y a une grosse catastrophe, bien sûr, on a besoin d'aide. Cette aide peut venir et tenir un an ou tenir deux ans. Mais quand des ONG restent 30 ans ou 40 ans dans un pays, quand les forces de l'ONU sont là depuis au moins 1994, le pays a l'impression que son destin lui échappe et que c'est décidé ailleurs. Ça affaiblit l'État. Ça rend, comment dire, les gens dépendants. Et il y a une forme d'assistanat généralisé. Et même pour les gens aujourd'hui qui sont sous les tentes, c'est bien qu'il faut justement aider ces gens-là. Mais il faut les aider à reconstruire aussi eux-mêmes leur propre maison, pas à rester sous une tente à recevoir de l'aide. Il faut redéfinir les cartes par rapport à ce qu'on appelle l'aide internationale, définir nous-mêmes nos besoins et puis de diriger justement, c'est-à-dire que, et de le faire avec des gens que nous aurons désigné nous-mêmes. L'aide qui vient des grands pays, ce n'est pas de la générosité, c'est une question d'intérêt. Maintenant, on a vu, par exemple, au lendemain du tremblement de terre, que tous les pays qui arrivent, ça va représenter quelque chose d'énorme, ce marché de la reconstruction. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont venir des États-Unis, qui vont venir de France, qui vont venir du Canada. Donc, ce n'est pas de l'aide, entre guillemets. C'est des chiffres d'affaires et c'est des entreprises qui vont venir de ces pays-là. Et puis qui vont quelque part aussi endetter à nouveau Haïti. Donc il y a une question d'intérêt, il y a un marché. A esta fecha todavía se sigue reclamando por lo que prometió la comunidad internacional de ayudar, de apoyar a Haití, del financiamiento que le llegue realmente a Haití. Pobres todavía siguen viviendo en tiendas de campaña. La población haitiana, para el que no la conoce, son personas maravillosas. Son personas con deseos de estudiar, de conocer. Son personas que cuando hay una luz eléctrica en un lugar, puede ser que sea en horas de la madrugada y allí están los jóvenes estudiando, porque no tienen iluminación. El mundo va perdiendo la vergüenza, ante las ambiciones materiales, ¿no? Y si seguimos así en el mundo, vamos a estar perdidos. Vamos a perder todo, porque no solamente lo estamos viendo en el plano este de la medicina, sino también lo vemos en la política, en el mundo sufre. Construyendo el planeta, no solamente como una sola casa, o sea, que hay que verlo como una sola casa.
passé toute vie la salle de Papa monte là-dedans, maman monte là-dedans, nous-mêmes nous rentrons là-dedans l'idée. C'est tous ces poètes nous pour l'idée, car la mal va tomber. Soleil va verrer pour nous tous, et nous tous va jouer le même chalet. Bon, mon Dieu, bon, mon Dieu, bon, mon Dieu.